Ok. Salut à tous, c'est Okolay, on est sur Twitch. Et bonjour à vous, YouTube. On va rejouer Talia. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué Talia. Alors, on est contre une Leblanc. C'est casse-couille. C'est casse-couille contre Leblanc. C'est pour ça que j'ai pris des runes un petit peu défensives. J'ai pris par exemple le bon plating pour que son combo QW auto-attaque me mette pas à 40% de points de vie et plus à 60. C'est très très important. J'ai pris aussi une. J'ai pas pris mana flow. Je sais que mana flow est très très important sur le champion. Même presque crucial, mais contre une Leblanc, on sait que le champion est pété. J'ai dû ban Katarina parce que Katarina, c'est vraiment le counter de base de Talia. Je joue avec Aeri, je cours un petit peu plus vite. On va avoir besoin de courir de façon contre une équipe comme ça. Je prends Scorch pour me défendre. Normalement, tu peux courir plus vite dans la river, ça peut être stylé. Mais là, je vais tellement me faire bolosser normalement par la Leblanc que je vais pas vraiment pouvoir aller décaler. Surtout que si je vais décaler, c'est Ezreal qui va pouvoir sauter à travers mon mur. Normalement, je peux le pré-shot au W, sauf qu'il y a un time catch en plus. Du coup, ça va être en vrai assez compliqué. On va partir sur un séculaire, je pense. On va partir sur un séculaire parce qu'il y a un talon en face qui va sûrement roam sur nous. Du coup, on va voir comment ça se passe. Il cheese dans ce buisson-là, très bien. Il faut surtout pas qu'elle ait son niveau 2 avant nous. On va prendre... merde. On va prendre le E au niveau 2. Ça, c'était nul. On va prendre le E niveau 2, comme ça, dès qu'elle va vouloir faire son combo, elle va se prendre au moins les dalles sur nous. Ah tiens, je pensais que mon... Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas joué Talia. C'était mon main au début. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Ah, là, elle va passer niveau 2 avant moi. Eh oui, ça, on connaît. Vas-y, t'as envie de faire ton combo? Vas-y, viens faire ton combo, là. On joue avec barrière. Il y a des assassins bien relous en face. Elle joue avec Ignite. Du coup, ça contre un petit peu. Elle ose pas faire le combo parce qu'elle sait que maintenant j'ai mon E. Je vais aller voir d'ici parce que là le Kindred va aller sûrement prendre pour son passif. Bon, ça a l'air d'être une first time Leblanc. Un bon abuseur de Leblanc. C'est pété Leblanc. C'est pas ban, je vais le jouer. Oh putain, il est niveau 3, jamais je vais pouvoir défendre ça. Bon bah tant pis. Hein. Tant pis, le Warwick, ils vont plus... Ça m'a pas fait trop de dégâts, ça passe. Juste prendre le canon. Ok, on se défend. On a les bonnes runes, hein. On a les bonnes runes contre Leblanc. Il y a juste Kindred qui est la botlane. J'espère qu'ils l'ont vu. Non, bah il est déjà en train de gank. Ça regarde pas la carte, hein. C'est normal. Personne ne regarde la carte dans ce jeu. Aucun souci. Voilà, elle a un petit dash. Je vais garder ma mana. Je vais juste attendre qu'elle fasse des erreurs. C'est à elle d'agresser et pas moi. Du coup, moi, tout va bien. Peut-être, je peux peut-être, si vraiment je sens le W, mais... Ça ira des minions de toute façon, même si je fais rien. Tout va bien. Pue la mort, elle, ok. C'est juste les abuseurs de Leblanc actuellement. Donc en fait, c'est pour ça que, en vrai, je préfère ban Katarina que Leblanc, parce que les Leblanc, en fait, bah... Je pense que les bonnes Leblanc sont déjà challenger, du coup. Et ceux qui abusent de Leblanc, bah... T'attends qu'il fasse des erreurs, en fait. Non, engage pas, juste attends qu'il fasse des erreurs. Bah là, on est sur une Leblanc de compétition. Niveau 6, là, c'est cool, ça aussi. Elle est toujours niveau 5. Je vais mettre une petite contrôle ward ici. Ouais, je peux... Alors mon mur est questionnable. Je ne dis pas le contraire. En gros, je pense que dans sa tête, ça lui a mis de la pression. Non, en fait, c'était de la merde mon mur. Le pire, c'est qu'il aurait pu sauter à travers, je pense. On va dire que c'était pour ne pas qu'il aille dans les minions. Bref, ça passe. Je vois toujours pas Kindred, je sais pas où est ce qu'elle fait. Je vais enlever ça. Elle fait peut-être le dragon par contre, la Kindred. Là, Leblanc a plus beaucoup de mana. Oh merde. Dommage le Fear. Dommage le petit Fear, la barrière qui fait énormément le taf, mes runes qui font énormément le taf aussi.
Ah mais il est dans l'antre du dragon. Ah non, il va peut-être pouvoir repasser. Ah bah, il est... Ok, là son invisibilité. Ouais. Oh ! Oh, trop dommage. C'est le zoo total. C'est le zoo total, il y a trop d'action. On est en 4-9. Ok, je vais prendre ça maintenant. Encore, oh, y a encore le truc là. Ok, j'arrive. Ok, il vient de flash en plus. Peut-être juste pouvoir le tuer lui. Bon, il m'a bouffé. Ok. Ça, c'est un petit peu dommage. Oh merde. Là, là ça fait un petit peu des problèmes. Ah bah là, 5 à la top lane, à la bot lane, c'est compliqué. Taper la tour, ouais. Qu'on ait la première tour, les 300 gold, c'est rentable. Non. Attends, si. Si, si, c'est rentable. Ça peut être contré en vous forçant à prendre des runes ultra défensives. C'est casse-couille, mais bon. Je gagne du temps pour le Warwick, je suppose. Bon, je suis un petit peu le bouc émissaire, mais vu que je suis très résistant, en vrai, c'est tout le temps rentable. Là, on a le dragon. NP, NP, NP. J'ai mes runes qui me permettent d'être vraiment ultra résistant. Ça, l'or, vraiment, elle est trop stylée contre le blanc. Et finalement, j'ai pas vraiment de problème de mana. Tellement c'est bourrin les lanes. Donc je suis content. En vrai, j'ai bien pris les bonnes runes. Je vais juste prendre. Niveau bot, par contre, là, je sais pas. Oh, niveau bot, on va prendre des Tabi Ninja, les gens. Elle va perdre la marque. Non, elle aurait dû attendre la marque. Oh non, il lui manquait juste un Q et c'était bon. Oh, les dégâts de Leblanc. Les dégâts de Leblanc. Bon, moi je fais des dégâts aussi. Hein. En vrai, on fait des dégâts. Oh non, là j'ai troll. Ça passe, ça passe, ça passe. J'ai troll, j'ai foiré mon Q. On va pouvoir prendre ces trucs là. Oh non, je vais. Je peux pas l'enlever tout de suite le mur, vous inquiétez pas. Nice. Bon, il a dû sass-step mon truc, c'est bien. On aurait pu faire le baron en effet avec AD, avec l'AD. En fait, vous voyez pourquoi j'aime pas ce skin en fait, parce que je vois pas trop les marques par terre. Alors qu'avec le skin de givre, les marques sont bleues et tu les vois de ouf quoi. J'espère qu'avec le prochain skin qu'on verra mieux les marques. Parce que regardez comment on voit que dalle. Avec le skin bleu, je vous jure, c'est bleu de ouf. J'avais besoin de 16 gold. Bah du coup la game s'est super bien passée. On a gagné le match-up contre Leblanc. Après, la Leblanc, même si on est en diamant 5 les gens, elle était pas ouf. On va pas se mentir, c'était sa first time Leblanc je pense. Après on a eu les bonnes runes. Faut juste s'adapter en fait. On a eu de la chance parce qu'on a eu contre Leblanc et des assassins. Du coup les runes qu'on a prises étaient super utiles contre plus ou moins tout le monde. On a résisté, on a donné un petit peu notre cul malheureusement. Certaines actions. Mais même avec un stuff tanky, des runes un peu tanky, séculaires et tout, bah finalement ça passe assez bien. Là avec mon build Luden Echo ou un truc comme ça sans les bonnes runes, je suis mort en 3 secondes en fait. Mais là grâce à la barrière et tout, ça s'est super bien passé. Et je suis même pas mort. On peut finir, j'ai un mur, j'ai bloqué l'allée. GG. Ouais, c'est cool, Talia. J'attends juste le nouveau skin là, je pensais qu'il allait sortir bientôt.
C'est marrant, hein, première fois que je banne pas Warwick, il y a des Warwick qui pop de partout. Je pense qu'on a fait des dégâts même si on était parti full, full tank là. On a pris séculaire, Tabi Ninja. C'est gentil. Non ! On a acheté Miss Fortune au cas où. Ils sont pas prêts de voir mon niveau.